comment je le prends, t'es stylé les gars. Anastasia, t'es où? T'es là Anastasia? Ah ouais, personne. Dommage que t'es pas dedans hein. Tu m'as épuisé Anastasia, je te jure. C'est compliqué avec Tom, tu sais, je sais même pas comment il va prendre ça s'il apprend la nouvelle qu'on s'est remis ensemble. Quoi? Allez, viens m'attraper. Vas-y, cours, je vais t'attraper, putain, Anastasia. Tu t'es tapé ma meuf. Mais c'est pas ta meuf. Elle est trop vieille pour toi, fiston. Non, je m'en fous. Je vais, c'est moi qui me la tape, pas toi. Ouais, je vais prendre l'exemple sur mon papa, après je vais faire Ryan, comment ça se fait qu'il connaît ça? T'as deux secondes pour m'expliquer. Écoute, je suis à deux doigts de péter un câble là, donc on y va. Moi, je suis à deux doigts de te péter, Anastasia, tu comprends? Parce que tu m'as craint. Et toi, arrête avec ton vocabulaire, tu commences à me casser les couilles. T'es une pétasse. Wow. Ouais, c'est ça, t'as vu comment tu me traites alors que je suis la seule à être là pour toi? Ton père, il a même pas été là pour toi depuis le début. Il revient seulement parce que je t'ai imposé à lui. Comment ça, j'ai pas été là pour lui? Non, tu vas bien mettre ta gueule. Arrête de dire ça devant lui. Oh putain. J'en ai marre, putain de merde. Tout le temps on dit de la merde sur moi. À un moment donné faut arrêter. J'en ai marre. Oh, il est énervé là Anastasia. Je faisais confiance, je t'ai dit ce colis, ça doit rester avec toi. Moi tu crois j'ai laissé le colis avec quelqu'un d'autre? Je l'ai jamais enlevé de ma vie. Je l'ai toujours laissé à la maison avec moi. T'es en train de me dire. Et toi tu oses laisser ça avec une autre main et en plus une pétasse comme Cléa. Ah ouais, la pétasse tu l'as bien soulevée hein par contre hein. Ah c'est bon, j'en peux plus, j'y vais. Non, écoute. Je peux rattraper ça. Je vais les appeler, ok? Et on va tous parler ensemble. Oui, là, face à face. Ce qui t'arrive, t'es en train de te pisser dessus? Ouais, il se pisse dessus là. Demain. Là, ce que je vous propose, on passe un moment de trois ensemble. Je crois qu'on a bon, c'est un peu énervé pour rien. Tom, il va nous raconter ce qui se passe aussi parce que lui, il a de son côté, tu vois. Et demain matin, à l'aube, je fais venir Cléa et Elena. Mm-hmm. Et tu verras que y a rien eu. Écoute-moi bien, Ryan. Ouais. Un mensonge, et c'est fini. Plus jamais je te reprends dans ma vie. Plus jamais, ok? Et tu ne me verras plus jamais. Non. Écoute, avec toi, mensonge. C'est pas pareil. Un mensonge. Bah là, y a pas qu'un. Y a 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc t'as intérêt à me dire la vérité. Toute la vérité. Sinon, c'en est fini de nous, je te le dis. Je me suis bien fait comprendre? Demain, je dirai la vérité. Alors, quand tout je me sera suis là. Bien fait comprendre? Demain, je vous dirai tous la vérité. Je me suis bien fait comprendre, demain, oui ou non? Demain, je vous dirai tous la vérité. Je me suis bien fait comprendre? Demain, je vous dirai tous la vérité. Je t'ai demandé si tu m'avais bien compris. Je te dis que demain, je te dis la vérité bien comme il faut devant tout le monde. Tu m'avais compris, c'est demain, je te dis toute la vérité. Et pourquoi pas maintenant? Parce que j'attends d'avoir tout le monde, parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Beaucoup de mensonges aussi. C'est pas question de mensonges, c'est pour éviter de blesser tout le monde. Alors pourquoi demain tu diras toute la vérité? T'as pas été à ma place, Anastasia, pour savoir ce que j'ai traversé. T'as pas été à ta place pour savoir ce que t'as traversé, c'est bon, comment ça se passe? Est-ce que toi t'as été à sa place, toi, hein, papa? Tu sais ce que ça fait d'être une femme qui tout le monde a envie de soulever? Quoi? Bah ouais, tout le monde a envie de te niquer. Comment ça, tout le monde a envie de te niquer? Bah j'en sais rien. Ouais, il y avait le Kayton aussi. Ah oui. Il a niqué aussi Kayton. Non. Et après tu fais ta sainte avec moi. Mais j'ai pas couché avec lui, qu'est-ce qu'il raconte? T'as failli, t'as été à deux doigts. Mais putain, mais... Et là mais tu vois, écoute-moi bien Anastasia. Mais y a un rien mensonge, eu. Un mensonge, je te promets. Si tu me mens, si tu me dis pas la vérité, tu vois les trucs mais que okay, je t'ai ok, il m'a attiré, c'est bon, c'est pas la mort non plus. Quoi? Quoi? Mais t'es vraiment une connasse, toi. Ah bah je mens pas au moins. Il t'a attiré pourquoi? Il y avait Rémi aussi qui l'a attiré, un vieux ton tout un moment, un autre jardin. Il m'a épaulé et Rémi, oui. Il est un peu trop petit pour l'épauler. Arriver à tes épaules. Ou pour que tu arrives à ses épaules. Faut non, que tu... je parlais de Kayton. Il m'a épaulé. Bon, maintenant, t'inquiète. Et c'est qui ça? Ah, c'est bon, c'est rien. Et maintenant, t'inquiète, il a fait quoi? Il a une meuf maintenant? J'en sais rien. Ouais, on s'en fout, bref. Ok, je te fais confiance. Mais si tu me mens ou si ça fait quelque chose derrière mon dos, Anastasia, toutes les choses que je t'ai promis, là, on fera rien. Bah, ça va dans les deux sens. Hein. Je veux une femme comme Uma. Elle te coupe. Ah, avec Uma, tu te rends compte, Anastasia? Non, je te comparerai jamais à elle, mais écoute, c'est juste. Je suis pas là pour être l'ombre de quelqu'un. Non, je t'ai dit clairement, je vais dire les choses. Non. Toi tu m'écoutes, ok? Ouais, commence pas à me comparer à ta femme, hein. Non, c'est bon, ça commence à me saouler, vraiment. Ok, elle est décédée, paix à son âme, elle est là où elle est. Tu peux pas parler comme ça avec quelqu'un qui a plus de vie. Écoute, je suis sûr, là où elle est, elle veut que toi et moi on finisse ensemble parce qu'elle veut le bonheur. Elle sait très bien. Oh là là, tu l'as jamais connue cette femme, c'était une... Mais alors, va la retrouver, tu veux que je te dise quoi? Là, t'es en train de me la décrire. Mais t'abuses, putain! Du monde. Je te dis que t'es la seule femme qui m'a fait vibrer après elle! Ça se voit, elle t'a tellement fait vibrer que tu m'en parles encore maintenant alors que tu veux qu'on quelque chose avec moi, tu crois que c'est sain ça de... Écoute, tu sais quoi, va te faire enculer alors, okay, ok? Non, ça va pas se passer comme ça, papa. Demain il y aura tout le monde là, t'inquiète, on va régler ça. Bon, moi je vais aller me poser dans le canapé, et tu vas venir avec moi, Tom, on va discuter et faites ce que vous voulez, c'est bon. Il boude là? Ouais, il est comme ça. Au fait, t'as oublié de remettre ta culotte, hein?
Quoi ? Ouais. Papa, tu m'en veux ? Pas question, je t'en veux, c'est bon. On peut parler si tu veux. Ouais, vas-y, assieds-toi. Je suis désolé, papa, je voulais pas te foutre la merde entre vous deux, mais voilà, c'est compliqué pour moi, c'est que... J'aime bien Anastasia et j'ai pas envie que tu lui as fait souffrir parce qu'elle mérite le bonheur, tu vois ? Non, vraiment, là, je comptais pas la faire souffrir. Je sais que t'as vu des choses et demain, je vais l'assumer, je vais dire toute la vérité, je m'en fous. Demain, je vais l'assumer, mais juste, là, vraiment, c'était officiel. Je voulais changer, vraiment, je voulais former une famille, surtout pour ton bien. Et pour moi aussi, je te le cache pas, ça va me faire vraiment du bien. Mais là, elle va jamais me pardonner après ça. Mais c'est pas grave, je suis là, moi. Réfléchis, Tom, elle est trop vieille pour toi. C'est pas de ton âge, tu pourras pas, tu sais très bien. Et je te promets, elle fera mieux une mère pour toi qu'une femme, vraiment, parce que c'est une bonne mère au fond. T'as pas vu comment elle s'occupait de toi? T'as pas vu comment elle est toujours là pour toi? J'ai merdé dans la vie. Dernièrement, j'ai passé quelques temps avec elle. J'ai vu que la flamme avait quand même six trucs entre moi et elle. Et on a essayé de se reparler. Ça s'est bien passé, tu vois. Mais là. T'es foutu la merde, c'est ça? C'est pas grave, au contraire. Tu m'as fait rappeler qui j'étais vraiment, un connard. Et que demain, je dois assumer. T'as rien à voir là-dedans, Tom. Au contraire, tu dois toujours dire la vérité. C'est bien, je suis fier de toi. Tu sais, si jamais. Mais les projets que j'avais prévus pour toi, ça marche pas, ou entre nous, je pense que je vais finir en tôle, tu vois, parce que j'ai 10 millions sur ma tête. T'as 10 millions de dollars, t'as fait quoi? Oh là, laisse tomber. Je vais t'aider, papa, c'est pas un problème ça. Non, t'inquiète. Je suis pas triste. C'est pas que je suis triste. Enfin, si, je suis triste, je suis détruit. Ouais. Vous dérange pas? Si. D'accord, je vais aller faire à manger alors. Même si demain j'arrive à m'en sortir, je pourrais pas, sur ma conscience, je pourrais plus me regarder devant un miroir. Parce que elle, ça se voit, elle donne tout. Même pour toi, que ça soit pour toi, pour moi, elle a tout donné pour nous. Tu vois, elle a tout fait, elle essaye tout, elle donne tout ce qu'elle a en ce pour nous rendre heureux, tu vois. Et moi, je peux plus la cacher, tout ça. Je vais lui dire la vérité, et toi aussi, j'ai une vérité à te dire bientôt que j'avais honte de te dire, mais... C'est le colis, c'est ça? Ouais, tu vas enfin comprendre. Et j'espère que vous allez pas m'en vouloir, mais si jamais vous deux, vous m'en voulez, bah, ça voudra dire que j'ai échoué. Et puis voilà, on passera à autre chose, et je repartirai à Liberty City, et puis voilà, où je finirai en tôle, quoi. T'inquiète pas, papa, tant que je serai en vie, tant que je serai là, je te promets, je vais te sortir de là. Ouais. D'ailleurs, toi, t'avais dit que t'avais un problème, je sais pas quoi, Agent X, Elena, c'est quoi, c'était dire? Papa, Elena, elle cache un jeu. C'est une folle. Elle prépare un coup avec Agent X, un robot. Qui j'avais créé, qui est autonome maintenant. Ah Tom, je t'ai déjà dit d'arrêter de regarder des trucs comme ça, ok? Bon, je vais aller aider Anastasia à cuire à manger. Mais non là, papa, écoute-moi. Je dois y aller, je vais aller aider Anastasia. Non papa. Va choisir la chambre que tu veux. Mais papa, écoute-moi, Anastasia, elle est en danger, toi t'es en danger, Melina. Va vous foutre à la mer bientôt, écoute-moi. Il y a un robot et tout. Allez, va faire tes devoirs. Ah non, t'as pas de devoirs, mais je voulais le dire pour que ça fait bien. Je vais essayer de rassurer Anastasia. Tu veux quoi à manger? Mais écoute-moi. Va choisir ta chambre, allez. Oh là là, putain. Personne ne m'écoute ici. T'as besoin d'un coup de main? Bah c'est le seul. Ouais, tiens. Si demain il se passe pas, il y a des choses qui te blessent, je voulais te dire que je t'ai vraiment aimé. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire. Ryan, moi aussi je... Et je suis désolé si je t'ai blessé tout à l'heure. Je m'excuse aussi. Non, ne t'excuse pas parce que... Si, attends demain, pas, attends demain s'il te plaît. Attends demain, ok. Ok. Allez. Ok. On est le lendemain. Moi, je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? Parce que c'est le jour du jugement de mon papa. Il va se prendre dans la gueule et nous, on va rigoler. Nous, aujourd'hui, on est spectateurs. On va tout regarder. Mon papa, il va se faire niquer parce qu'il y a les siassi. Il y a les deux autres meufs qui vont arriver. Il y a Cléa et Elena. Ça va être son jugement. Et regardez ce que j'ai installé. J'ai mis des chaises et tout. Ça va être son jugement. Il y aura les invités, les accusés, la victime, etc. La victime, pour l'instant, chez Anastasia, la pauvre. Chez la victime, elle a rien demandé. Et on va voir qui sortira vainqueur et qui sera coupable. Ok? D'ailleurs, petite parenthèse, le foie, je suis vraiment désolé pour mon micro. Là, c'est bon. J'ai remis mon ancien carte son. Là, normalement, vous devrez bien m'entendre. Allez, c'est parti. Bon visionnage à vous, les frères. On va aller voir Anastasia. Elle est en train de bronzer là-bas, on dirait. Et on va essayer de la rassurer un petit peu, la pauvre. Oh, ma petite sirène. Oh, regardez là-bas, la petite sirène, elle est triste. Si mon papa est coupable ce soir, moi, je vais reprendre le contrôle sur Anastasia. Elle va m'aimer, Anastasia. Elle va voir que c'est moi son homme. Coucou, Anastasia, ça va? Hey, je viens de me réveiller. J'ai broché mes dents, tout ça. Oh. J'ai fait zizi, pipi. T'as fait quoi? Zizi, pipi. Oui, j'ai fait caca. Ah. Et j'ai pris mon café, ma clope et tout, comme d'habitude. Quoi? T'as pris quoi? Bah oui, je fume, moi, tu savais pas? Non. Qu'est-ce que tu me racontes là? Je fume depuis l'âge de 7 ans, je suis tombée là-dedans. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Non, ah, mais là, Anastasia. Tu vas arrêter? Non. Oh, non, déjà, non, tu vas te détendre, hein? Comment pas me gueuler dessus pour ta santé? Non. Anastasia, oh. Moi, je suis avec toi, moi! Oublie pas! Je suis désolée de dire ce qui s'est passé, de t'avoir gueulé dessus, tout ça, mais c'est pas moi, c'est mon papa. Et aujourd'hui, c'est toi la victime. Et ce soir, on va voir qui? Et où tu. Laisse-moi faire. Je te prends, j'ai envie de. Quoi? T'as dit quoi? Viens, on fait l'amour dans la piscine, toi et moi. Tu me dégoûtes vraiment, hein. Vraiment, tu me dégoûtes. Arrête! Ouais! Tom, lâche-moi! Ouais, lâche-moi! Dans la piscine! Lâche-moi! Oh, Anastasia, ma petite sirène! Oh, viens! Viens! Quoi? Oh non, je suis toute mouillée. Anastasia? Quoi? Mais viens! Tu m'énerves!
m'énerve. Mais ça va, j'ai rafraîchi. T'es toute mouillée. Ouais, je vais aller me changer. Ça change pas d'habitude, petite coquine. T'as dit quoi? Je t'entends pas. Ah, rien. Je dis que viens, je vais te sécher. Non, c'est bon, je vais aller. Non, viens, viens. Anastasia, viens voir ce que j'ai fait. Mais c'est bon, t'es conne ou quoi? T'es en train de te baigner dans la piscine. T'es bête. Non, j'avais mes pieds posés. T'étais en train de bronzer. T'as mis ta crème de soleil. Oui, j'ai mis ma crème de soleil. Oui. Mon papa il dort encore. Je peux m'occuper de toi en attendant. De toute façon, il sera coupable ce soir. Et c'est moi qui va m'occuper de toi après. Viens, suis-moi. Viens, suis-moi. Je vais te montrer ce que j'ai préparé pour les invités, etc. Qu'est-ce que tu veux? Apparemment, il y a Cléa qui vient et Helena. Donc, ils se connaissent vraiment, en fait. Ben, je sais pas. On va voir au jugement. C'est mon papa qui va tout te dire. Il a dit qu'il va dire la vérité. On va voir s'il tient ses paroles. Regarde, j'ai mis la table et tout. Moi, je vais m'asseoir ici, là, dans le coin, toi, à côté de moi. Et... Non, moi, je vais aller là-bas, moi. Moi, je suis le juge. Moi, je suis ici. C'est moi le juge. Normalement, ça doit être ton papa qui doit aller là. Mais c'est moi le juge. Okay, comme tu j'ai changé d'avis, ok. D'accord. Voilà, j'ai mis des petits verres pour boire. Parce qu'au cas où on se boit la gueule, et après, on fait tous une partouze et ça serait bien. Quoi? Faire quoi? Une partouze. Si jamais on s'entend tous et on mais... se met d'accord. T'es complètement malade, toi. Je suis malade de toi. Oh, quoi qu'il arrive, n'oublie pas, tu restes la meilleure pour moi, à mes yeux. Ouais, ouais. Hein? Regarde-moi ça. Oh. Hey, mes loulous, comment allez-vous? Vous avez bien dormi? Ouais, ça va ou quoi? Je suis sérieuse, là? Quoi? Désolé, je... Non, mais ça va. Écoute, Anastasia, tu me fais confiance ou pas? Je te dis que tout va bien se passer. Tout ce qui s'est passé à l'époque, c'est à l'époque. Pour l'instant, okay, y a pas... Je... Pour l'instant, je suis pas encore coupable, ok? Ouh, embrasse-moi. Non, pas devant moi! Ouais, ok, ouais. C'est bon, on verra ça après. Écoute, Anastasia, qu'est-ce que je voulais te dire? Tu vois, quoi qu'il arrive, n'oublie pas. Pour moi, tu resteras la meilleure. Hein? Dis-moi où il a dit. Voilà. Dès que l'heure qu'ils arrivent! Ouais, je vais passer un petit coup de fil, ils vont arriver là. Ok, ben moi, je vais aller me. Ouais, va te changer. Quand même. Ou je te fouette là. Quoi? Oh, je vais t'attraper! Hé, arrête-toi! Oh, laisse-moi tranquille! Papa, reviens, je dois te parler! Je vais lui dire la vérité! Ouais, j'arrive! Ok, j'ai envoyé un petit message, ils vont pas tarder à arriver. Bon, Tom, écoute-moi. Ton papa aujourd'hui, cause de toi, mais c'est pour mon bien, t'as raison. Faut que j'accélère la chose, il faut que j'assume. Je vais dire la vérité, mais quoi qu'il arrive, si je retourne dans mon pays, si je retourne à Liberty City, tu auras Anastasia pour s'occuper de toi. Mais non, papa, je veux pas que tu pars, non! Je crois que ça va arriver parce qu'elle va mal le prendre, hein, crois-moi. Mais s'il te plaît, papa, fais quelque chose, essaye de te défendre, moi je serai le juge. Mais en même temps, tu dois dire la vérité, ça va te hanter. Oui, t'as raison, c'est pour ça que je te dis que tôt ou tard, ça va aller se savoir. Donc là, je vais ramener Cléa, Helena, et on va faire le face-à-face. Et on verra si Anastasia, elle tient vraiment à moi, si elle me comprend. Parce que comme je te le dis, ça c'était le passé. Ouais, mais c'est pas ce que tu disais, ça, tu dis ça à tout le monde. Non, oui, je sais, je disais ça à toutes les deux, mais les deux, c'était juste des plans. C'était juste pour m'amuser, mais Anastasia, ça a été toujours quelque chose d'autre. Ouais, je sais, mais t'inquiète pas, papa, si tu pars, je m'occuperai d'elle. Mais bon, moi je voulais juste refaire une petite famille, toi et moi. Papa, je crois en toi, ok? Je vais pas foutre trop la merde. Ouais, j'espère bien. Hein. Bon, où est-ce qu'on doit s'installer là? Viens, papa, j'ai tout préparé un truc, tu vas t'asseoir. Viens. Là, 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 là. Attends, toi t'es le coupable pour l'instant. Ouais, alors. Tu dois pas arriver maintenant. Oh non, mais on n'a pas le temps de jouer à ça là. T'as cru qu'on est un jugement? Oui, c'est moi le juge. Donc toi, tu vas te cacher, tu rentres à l'intérieur. J'accueillerai les invités. Je vais les installer et après tu arriveras au dernier. Écoute, Tom, s'il te plaît, dis pas tout ce que t'as vu, ok? J'ai pas envie de perdre Anastasia. Et moi, j'ai envie de la ken. C'est pas ça. J'ai envie de la ken. Allez, on ken. Bon, papa, tu vas te cacher à l'intérieur. Quand faudra devenir ton tour, tu vas venir. Moi, j'organise votre jugement. Anastasia, ma petite belle, tu viens? Anastasia, oublie pas ce que je t'ai dit. T'es jamais trompé depuis qu'on est ensemble là. Ouais, depuis que vous êtes ensemble. Certes, tu ne m'as pas trompé. Il y a des trahisons qu'on ne peut pas pardonner non plus. D'accord? Enfin, on va voir comment ça va se passer. Tu m'as dit qu'il y avait pas grand chose donc. Ouais. Ouais, allez-y. Et n'oublie pas Tom, hein. Ouais, c'est ça. Viens, ma petite sirène. Tiens-moi la main. Rrr, putain, mais toi, t'as un truc, toi, avec les vêtements, hein. Quoi? Non, rien. Alors, tu veux t'asseoir où, Anastasia? C'est toi, tu vas te mettre là. Tu seras à côté de moi? Moi, je serai le juge, je suis ici, moi. Ah, bah, tant que t'es à côté de moi, tant mieux, alors. Voilà. Y'a quelqu'un qui est arrivé là? J'ai entendu quelqu'un klaxonner, c'est je crois. C'est mignon aujourd'hui, j'ai envie de te faire des bisous. Ah oui, vas-y, fais-moi des bisous. Là, non. Oh, viens, mets ta bouche. Oh, non. Bouge ta tête de. Non. C'est ça que j'adore. Ah, arrête de parler comme ça, tu me dégoûtes quand tu parles comme ça, je te l'ai déjà dit. Poupée, je vais t'attraper ce soir. Arrête, Tom! Tu verras comment je vais t'attraper par les cheveux. Tom, arrête de parler comme ça! Y'a pas que tes cheveux qui vont être rouges ce soir. Non, mais c'est pas possible, arrête! Tu vas être tout rouge. Tom, tu vas être puni, hein. Je vais aller voir s'il y a les invités qui sont arrivés. Oh putain, on va rigoler, je sens. Mais bon, c'est pas très drôle pour mon papa, mais nous, on aime du spectacle. On attend les invités. Oh, y'a déjà quelqu'un ici! Ah, bonjour madame! Ah, madame Cléa, c'est vous? Oui, c'est moi. Oui, vous avez. Oui. C'est la première. La deuxième qui avait couché avec mon papa, c'est ça? Non, la première. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Cowboy! Ouais. Petite coquine, va. Hein, petite coquine, va. Hein, grand. Tu fais ci, la petite fait ci. Arrête. Tu vas voir, toi. Viens avec moi, espèce de connard. Par contre, tu vas bien. Parle plus fort déjà parce que je t'entends doucement. Pardon, j'ai dit tu vas bien te tenir avec moi. Parle pas comme ça. Attends, déjà tu sais pourquoi t'es là? Non, pas du tout. Ryan il m'a. Enfin, ton père il m'a appelé et du coup je vais aller le voir là. Ah, tu crois que c'est pour un rond numéro 2, hein? Chicha? Non, mais ça te regarde pas tout ça, d'accord? Ouais, allez, viens avec moi, on va bien rigoler toi. T'as crié quoi toi? Ok, merci. Mais bon, si bien, continue. Fous la merde comme ça. Moi, Anastasia elle est dégoûtée de mon papa et comme ça moi j'ai Anastasia pour
pour moi, d'accord? Ouais, fou. Ça, allume mon papa, allume mon papa, d'accord? Mais ton papa, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est bien, c'est bien. Viens avec moi. Oui, je viens. Viens avec moi. Iha, au galop. Surprise! Et voilà l'accusé numéro 1. Mon Dieu. Vous connaissiez? Le temps t'a dégradé, ma pauvre. Comment ça se fait que t'es là? Comment ça se fait que je sois là? Et toi, comment ça se fait que tu sois là plutôt? Oui, bah, d'abord, asseyez-vous. Je sais très bien pourquoi elle est là, d'accord? Bah, j'attends qu'elle m'explique correctement, surtout. Alors, tu te demandes pourquoi il y a Anastasia? Et pourquoi mon papa t'a fait venir avec Anastasia? Parce que t'es une putain d'allumeuse! T'es une connasse! Mais par contre, crie pas comme ça, s'il te plaît. Je suis le juge! Je comprends plus rien. On touche pas à ma vie! Voilà. Comment ça, il me parle comme il veut? Oui, il te parle comme il veut, donc laisse-le parler maintenant. Vas-y, mon chéri. Oh! Comment ça, mon chéri? Bah oui, t'as cru quoi? T'as jamais appelé un petit mon chéri? Bah ouais. Oui, c'est vrai, c'est... Avant toute chose, est-ce que vous avez quelque chose à vous dire? Je apercevoir que vous êtes copines, vous deux. Non, d'abord, on va attendre tout le monde, hein. On va pas commencer le jugement maintenant. Comment ça, on attend tout le monde? Il est où, Ryan? Ouais, c'est bon, hein, t'es pas obligé de le voir pour respirer non plus, hein, calme-toi. Ouais, mais Ryan, c'est Ryan, je comprends pas, il m'a appelé, je devais le voir, ouais, et... Il y a de la tension, là. Je vais voir si l'autre, elle est arrivée. Eh ben putain, on est pas sortis de l'auberge. Toujours aussi laid, c'est pas possible. Bah écoutez... Bah, t'es pas embelli avec le temps, quoi, ton style vestimentaire, je vais pas en parler non plus. Je m'en fiche de ce que tu dis. T'en fiches de ce que je dis? Oui. Bah, de toute façon, après, t'auras plus que tes yeux pour pleurer, donc. Et pourquoi? Bref. Il se passe quoi ici? Il se passe quoi ici? T'es toujours aussi conne en fait, ça change pas. Oh ouais, bah au moins on est deux, hein, je pense. Non, prends pas ton cas pour une généralité, hein, par contre. Oh que si, ne t'inquiète pas pour ça. Ah mais je m'inquiète pas, j'ai l'air de m'inquiéter là. Oh, l'autre est arrivé. Oh, le spectacle. Hey, Elena, ça va bien? Tiens, qui voilà, ça va et toi? Oui, ça va, tu te demandes pourquoi mon papa t'a invité? Ouais, bien sûr, je ne sais pas, peut-être pour boire le thé ou... Oui, bien sûr, mon papa t'a invité pour boire le thé et pour passer du moment ensemble à trois, comme il t'avait dit, tu vois, c'est ce que tu veux, non? Ouais, bien sûr. Hein, ça va sinon? Ça va et toi, Tom? Ah bon? Ouais, bien sûr. Tu sens le vibranium, hein? T'as traîné avec quelqu'un qui a du vibranium, tu sens? Le quoi? Hein, tu sais, ça va. Rira bien qui rira le dernier. Non. Ça te fait rire, ouais, c'est chiant, ouais. T'as te fait rire. Je vais te dégripper, tu vas voir. Tu vas faire quoi? Ah non, rien, madame. Non, rien, rien. Non, je t'ai dit aujourd'hui, là, j'ai tu un peu de grippe. Je suis un peu enrhumé, j'ai la grippe. Ouais, ouais. Voilà, mon papa, il t'attend chargement dans le jardin. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, petit? T'as attrapé un peu de coups de soleil, là? Je vois que t'as des rougeurs sur toi. Viens, viens. Oulala. Ouais, bah t'as pas à rigoler avec moi, je te le dis, hein. Antoine, reste tranquille, je te le dis. J'entends des voix, mais c'est normal. Viens. Et voici l'accusé numéro 2. L'accusé quoi? Eh oui, c'est un rassemblement. Mon papa vous a tous rassemblés pour un jugement. Parce qu'apparemment, vous vous tapez tous le même mec. Comment ça se fait qu'elle est là? Allez, viens avec moi. Toi, tu vas t'asseoir. Va t'asseoir ici. Salut, Anastasia. Ouais, on n'est pas sur le téléphone rose, donc commence pas à parler comme ça. On dit pas bonjour, ok? On se connaît pas. Bien sûr que si, on se connaît. Non, on se connaît. Asseyez-vous, pas. Asseyez-vous. Je t'ai oublié, dégage. Et comment ça se fait que t'as disparu comme ça? Malheureusement, tu tournais dans des films porno, que tu parles comme ça maintenant aussi. C'est passé quoi? Oula, y a une tension avec vous là. Qu'est-ce qui se passe, Anastasia? T'as pris trop de café ou c'est comment? Tu sais très bien que je bois pas de café. Ouais, eh ben tu devrais en prendre un pour te détendre un peu. Justement, ça détend pas le café, tu te renseigneras. Ça donne la chiasse. Exact. Chiasse, je peux vous le dire. Hein. J'ai l'expérience. Bon, ça sert à rien de s'énerver maintenant, d'accord? Je vais vous expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, si vous êtes réunis, c'est parce que vous tapez tous le même mec, sans que vous le savez. D'accord? Et c'est quoi? Mon papa. Ah ouais. Attends. Eh oui, mon papa, il t'a tapé toi. Mon papa, il t'a tapé toi. Et mon papa, il t'a déglingué toi. Ah toi, c'est pas tapé. Toi, c'est déglingué, crois-moi. On parle bien. Toi, c'est explosé, hein. On parle bien de Ryan. Oui, Ryan Johnson. Ouais, c'est Ryan Johnson. Et les meufs, ouais, cowgirl, cowboy. Ça m'étonne pas. C'est pas possible que Ryan ferait ça. Ça donc, m'étonne pas, il est toujours... T'es en train de me dire, Tom, qui s'est tapé l'autre cloporte en face de moi et l'autre actrice de film X? Comment ça, a fait film X? Ah, c'est pas ce que tu fais? Ah, désolé, avec le décolleté que tu portes, désolé, je croyais que... Ah bon? Ouais. Dis-moi, tu t'es tatoué deux queues sur le torse ou... J'en sais rien, tu veux les voir? Et on va se détendre, ok? Stop! Bon, est-ce que vous êtes prêts à voir le coupable et pour régler enfin ces histoires? Le coupable? Je me languis. Oui. C'est quoi l'anguille? Ah, ça va, non, laisse-la, elle se prend pour Molière de temps en temps. Ça veut dire que je me tape, moi je suis impatiente. Tu l'aimes bien, c'est ça? Ouais, je suis impatiente. Ah oui, je l'adore. Et toi, tu l'aimes bien? Ryan, oui. Et toi? C'est un petit ange. Et toi, tu l'aimes bien? Tu l'aimes bien, Ryan? Alors là. C'est très bien que oui. Ok. Quoi? On va voir qui va repartir avec mon papa, ok? C'est pas un prix non plus, ton père, Tom. Si, j'ai un prix. Je suis d'accord avec elle pour le coup. Ah bon? Si, j'ai un prix. C'est pas un trophée non plus, hein. Enfin, quoique pour moi, oui. Oh, Cléa, j'étais à la soirée, t'étais à fond dedans. C'est pas un trophée, quoi? Alors? Oui, c'est quand j'étais à la soirée. Décidément, vous complétez bien. L'autre, elle a les boules sur la tête et l'autre des tubs sur le torse. Ça veut dire, tu sais très bien ce que c'est, on a fait le tatouage ensemble. Alors commence pas à m'inventer une vie, d'accord? Tellement peu vu que j'ai l'impression que je te connais plus. Ah bah, calmez-vous, calmez-vous.
calmez-vous. Par contre, t'as des talons qui est cassé là ou quoi? Pourquoi? Oula, putain. Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème de pied, toi, non? Non, mais c'est bon. C'est mieux là? Oui, voilà. Oh, oh. Eh, Tom. Oui. Qu'est-ce qu'il... Ouais, ben oui. Oui, désolé, j'ai oublié que t'étais jalouse, ma chérie. Le coupable, veuillez. Non, je vais aller le chercher. Bon, allez, j'arrive. Oh putain, mon papa, il est dans la merde. Il va se faire déglinguer.